Aujourd'hui, on va parler des grelinettes. En fait, les grelinettes, on en a trois sortes. On a la non renforcée, la renforcée et celle qu'on appelle en parenthèse la heavy duty, celle qui est toute faite en fer. Pourquoi qu'on a différents modèles comme ça? C'est à cause de votre sol. Okay? C'est très important de prendre la bonne grelinette pour le bon sol que vous avez. Quand on utilise la non renforcée, il faut vraiment que ça soit dans un sol qui est plus sablonneux. On y va dans la renforcée quand que c'est un terrain qui est un peu plus rocheux, sans que ça soit trop rocheux non plus. Et puis limoneux. Fait que ça, là, ça fait beaucoup un beau travail avec la renforcée. Quand on parle d'argile, c'est vraiment important de prendre celle qu'on appelle, encore une fois une parenthèse, la heavy duty. Je vous la présente, la heavy duty, tout de suite. Vous voyez, elle est toute en fer. Vous pouvez aussi voir les dents, comment ils sont faites plus fortes un petit peu. C'est vraiment important parce que si vous utilisez les autres dans un terrain argileux, ce qui va arriver, c'est que ça va juste briser. Vous allez avoir gaspillé vos sous pour rien. Celle qui est renforcée ici, vous voyez, là, il y a un petit côté un peu plus renforcé qu'on peut, comme je vous ai dit tantôt, dans un sol limoneux. Ensuite de ça, la régulière pour utiliser dans un sol sablonneux. Maintenant, on va aller essayer ça, ces petites grelinettes-là. OK. Pour le sol chez moi, c'est plus limoneux, rocailleux. Donc, j'ai pris celle qui est renforcée. Le but d'utiliser la grelinette, c'est dans le fond, c'est de moins travailler le sol possible pour pas tuer les vers, tous les micro-organismes qui pourraient nous aider à la culture. Donc, on installe notre grelinette, on y va avec un coup, des fois, il faut y aller plus profond, on brasse ça comme ça. C'est de jouer beaucoup avec notre sol. On aère notre sol, il faut bien l'aérer. Des fois, ça va pas toujours droit, mais ça, ça fait partie de la game. Et puis, on y va, ainsi de suite, comme ça. Et comme vous voyez, là, mon sol, à moi, il est plus dur un petit peu. Je peux pas aller creux tout de suite. Mais c'est sûr que je vais faire tout mon jardin. Après ça, je vais recommencer. On va repasser. Puis là, oups, ça rentre un peu plus creux. C'est à force de le travailler qu'on va avoir, on va atteindre la bonne profondeur qu'on veut. C'était une capsule de Dubois Rénovation. N'hésitez pas, si vous avez des questions, toute notre équipe va se faire un plaisir de vous répondre.